Donc, je vais faire la solution de l'exercice 2 sur la première feuille de topologie L2. Donc, j'ai un A qui est inclus dans B. Et je veux montrer que le supplément d'A est plus petit que le supplément de B. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que pour tout A en A, j'ai aussi que A est dans B. OK? Et puisque le supplément de B est une mesure de B, j'ai donc que pour tout A dans A, A est plus petit ou égal à sub B, donc sub B est un majorant de A. Le supplément de A est défini comment? C'est le plus petit des majorants. Sub B est un majorant, donc sub B est plus petit et plus grand que sub A. Okay. Je vais faire le même argument pour l'infimum. Ici, A est dans B, et ce soit A dans A, donc j'ai que pour tout A dans A, A est plus grand ou égal à 1 de B, autrement dit, 1 de B est un minorant de B, de A, pardon, et donc, comme l'infimum c'est le plus grand des minorants, le 1 de A est plus grand ou égal à 1 de B. OK? Ensuite, on va jouer au même jeu avec une union. Voilà. Donc, je vais regarder A union B. Et je vais montrer que le supplément de cet ensemble, c'est le maximum, c'est le minimum, maximum de sub A et sub B. Donc voilà, je note que si A pour tout x dans A est valable sur x plus égal à m1 et pour tout x dans B j'ai valable absolue x plus petit que m2, alors pour tout x dans A union B, la valeur absolue de x est plus petit que le maximum de ces deux éléments. Donc, j'ai bien une union qui est bornée. OK. Donc, je vais prendre un x dans A union B. J'ai deux cas. J'ai le cas où x est dans A. Et donc, j'ai que x est plus petit ou égal à sub A. Et plus petit égal au maximum de sub A sub B. Le deuxième cas, c'est x est dans B. Auquel cas, j'ai x qui est plus petit égal à sub de B qui est plus petit égal à max de sub de A et sub de B. Et donc, dans tous les cas, pour tout x dans l'union, j'ai bien x est plus petit ou égal au max de sub A sub B. Donc ceci est bien un majorant de l'ensemble. Donc si c'est un majorant donc de A union B, et donc le sub qui est le plus petit en dessous du maximum de sub A sub B. Ok, ensuite, j'ai montré que ceci est un majorant. Je dois maintenant montrer que c'est le plus petit des majorants. Donc, soit T est un majorant de A union B, donc en particulier T major A et major B. Donc quand je dis que T major A, comme le plus petit majorant c'est sub A, T est plus grand que sub A et T est plus grand que sub B, donc en particulier ce majorant quelconque est plus grand que le maximum entre sub A et
P. Donc, le maximum est 1 majorant et il est le plus petit des majorants. Et donc, sup A ou B est bien la même chose que le maximum de sup A et sup B. Ok, ensuite, donc, évidemment, j'ai le même argument pour l'infini. Et je vous laisse vous exercer à faire les détails vous-même. Ok, ensuite, voilà. Maintenant, je vais faire une intersection. Encore une fois, je vais faire que le cas du supremum et je vous laisse faire paralogie pour l'infimum. Voilà. Donc, suppose que j'ai x dans A inter B, donc x est dans A et x est dans B. Qu'est-ce que ça me dit vis-à-vis du supremum? Ça veut dire que x est plus petit que sup de A et x est plus petit que sup de B. Et donc, ceci étant vrai pour tout x dans A, B, A inter B, j'ai que x est plus petit que ces deux éléments, donc c'est plus petit que le minimum entre eux deux. Ok. Voilà. Donc ça me dit que ce minimum est une supremum, un majorant de l'ensemble, et donc sup de A inter B est plus petit ou égal au minimum de sup A et sup B. Ensuite, pour des exemples où ce n'est pas une identité, je propose de prendre A qui est l'ensemble 1, 2 et B qui est l'ensemble 1, 3. Du coup, l'intersection des deux, c'est juste l'élément 1. Donc, sup de A inter B, c'est 1. Mais le minimum des sup, c'est égal à 2. Ok. Et donc on va finir avec l'exercice avec l'élément 4. Et donc je vais prendre sup A plus B. Encore une fois, je vais faire l'exemple du sup et je vous laisse y faire pour l'infimum. Ok. Donc, je vais prendre A plus B, c'est l'ensemble des choses de la forme A plus B, avec A dans A et B dans B. Ok. Donc, je vais prendre un A plus B dans A plus B. Donc, j'ai A qui continue dans A et B qui continue dans B, jusqu'où A est plus petit que sur A et B est plus petit que sup B. Je déchire les deux en égalité, j'ai A plus B qui est plus petit que sup A plus sup B, et ceci étant vrai pour tout A et B, donc grand A, grand B, donc ça veut dire que cette quantité est une majorant de A plus B. Ok? Puisque c'est une majorant, j'ai donc que le supremum qui est le plus petit des majorants est plus petit que cette somme. Ok, ensuite, maintenant j'aimerais montrer qu'ils sont égaux. Et cette fois-ci, je vais travailler avec des suites, puisque le supremum et l'infimum de l'ensemble A ont la propriété de toujours être des limites de suite d'éléments de l'ensemble. Ok? Donc, je vais prendre une suite AN de l'élément dans A et une suite BN d'élément dans B, tel que AN converge, 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 plus l'infini.
équilibre sup de A et Bn converge, convergent, convergent, plus l'infini de sup de B. Et je vais prendre la somme de tout ça, j'ai Rn plus Bn qui converge, convergent, convergent, plus l'infini de sup A plus sup B. L'élément AN plus BN est plus petit, et ceci est un élément de l'ensemble A plus B, donc il est plus petit ou égal au suprémum. Et maintenant, quand je fais le passage à la limite, N qui tend vers plus l'infini, j'obtiens que sup de A plus B est plus grand ou égal à sup de A plus sup de B, mais j'avais déjà montré une égalité opposée, donc les deux éléments sont les mêmes. C'est ce qu'il fallait démontrer.